Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Pour pratiquer une activité physique ou sportive, on le sait, l'alimentation est un facteur déterminant. Mais qu'en est-il des sportifs de haut niveau? À quel régime sont-ils soumis? L'alimentation peut-elle influencer leur performance? On fait le point aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Eve Thiollier. Bonjour. Vous êtes chercheur en nutrition appliquée au sport de haut niveau, nutritionniste à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Comment on explique le lien qu'on établit entre nutrition et performance sportive? Alors, il peut y avoir deux types de liens, je veux dire. Il peut y avoir un lien tout à fait direct, à savoir, ça va être l'alimentation qu'on a eue dans les heures précédentes, l'épreuve, là, qui peut vraiment affecter les performances. Alors, on va être sur, principalement, potentiellement, la déshydratation, le manque d'énergie, ou les troubles digestifs qui peuvent vraiment directement impacter la performance. Ensuite, on peut avoir un lien qui est moins direct, qui va plus s'inscrire dans l'effet chronique de l'alimentation. Savoir si, par exemple, avant mon épreuve, je ne vais pas prendre de vitamine C, ça n'aura aucun effet sur one shot. Mais par contre, dans la durée, notre alimentation là, peut avoir un impact. Donc là, notamment, sur la capacité à bien s'entraîner, puisqu'on sait qu'un sportif qui est performant, un des facteurs importants, c'est le fait de pouvoir s'entraîner dans la continuité, de ne pas avoir de pause liée à des blessures notamment, ou au fait d'être malade. Donc l'alimentation peut avoir un impact sur ce critère-là, par exemple. Une chose dont on parle peut-être peu, c'est les apports énergétiques, des apports trop faibles, vont vraiment être un facteur qui vont augmenter nettement le risque de blessure. Donc qui vont entraîner des arrêts, et qui vont notamment perturber la performance. Après, il peut y avoir des déficits en certains micronutriments qui vont majorer la fatigue. Il peut y avoir aussi des stratégies de récupération nutritionnelles qui ne vont pas être efficaces, qui vont limiter les capacités de récupération. Or, pouvoir bien récupérer, c'est pouvoir s'entraîner, bien s'impliquer dans l'entraînement suivant. Et c'est en étant capable de bien s'impliquer dans les entraînements que d'un entraînement à l'autre, on va améliorer ses performances. C'est vrai qu'on a tendance à juste penser à la performance et pas à l'entraînement. Donc en fait, finalement, on alterne du long terme, de la longue traîne et du court terme à vraiment sur la performance quasiment dans l'instant, c'est ça? Tout à fait. Il y a vraiment ces deux types d'effets, soit direct, soit de manière un peu plus chronique, on va dire. Voilà. Donc c'est... Mais effectivement, comme vous l'avez souligné, au début de cette émission, la nutrition fait partie des éléments qui vont avoir un impact sur la performance. C'est pour ça que le sportif doit se soucier du contenu de son assiette, Quelle que soit sa composition corporelle. C'est ça. Est-ce que les sportifs, alors peut-être moins maintenant, vous allez nous le dire, mais est-ce que les sportifs ont plutôt tendance à attendre le pépin physique, l'absence de performance pour commencer à s'intéresser au contenu de leur assiette et se dire que peut-être effectivement soigner son alimentation peut permettre d'atteindre ses objectifs? Alors c'est variable, mais c'est vrai qu'il y a une proportion assez faible de sportifs qui va spontanément se dire qu'il est important de soigner le contenu de son assiette et de savoir ce qu'il fait aussi à l'entraînement pour être performant. D'une manière générale, il faut attendre un événement et qui va le sensibiliser et le rendre réceptif à nos messages. Et alors, le paramètre principal... Les personnes que vous suivez sont relativement jeunes aussi? Oui, jeune. Enfin, on débute jeune, en tout cas. L'âge des sportifs de haut niveau, hein. C'est vrai que à 30-35 ans, on commence à arriver sur la fin de sa carrière, assurément. Hein. Après, on a aussi des plus jeunes, hein, l'INSEP. On a des jeunes qui sont encore au lycée. Donc, mais l'élément principal actuellement pour lequel on va nous solliciter pour l'accompagnement d'un sportif, c'est la composition corporelle. À savoir, on va nous dire, tiens, lui, il est un peu costaud, là, il faut que tu t'en occupes. Et c'est une erreur, parce que l'alimentation va avoir des impacts bien au-delà de la composition corporelle. Ça fait partie des aspects sur lesquels il peut y avoir un impact, mais sur le fonctionnement, l'immunité, la récupération... tout ce qui est adaptation à l'entraînement. En fait, s'adapter, ça va générer dans l'organisme toutes sortes de réactions.
d'adaptation qui font que d'un entraînement à l'autre, bon, on devient meilleur. Par exemple, on fabrique plus de vaisseaux sanguins, on va fabriquer plus de cellules d'usines énergétiques, etc. Et l'environnement nutritionnel dans lequel l'organisme va se trouver au moment où on fait l'exercice peut moduler ces adaptations-là. Donc, ce qu'on va faire à l'entraînement peut rendre l'entraînement plus ou moins utile. On peut juste rajouter de la fatigue au système, on peut le rendre plus ou moins utile. Donc, l'alimentation, il ne faut vraiment pas la réduire à, bon, en gros, tu es un peu gras, tu vas faire attention. Oui, c'est-à-dire que contrôler son alimentation ne veut pas dire, ou plutôt surveiller, encadrer son alimentation ne veut pas dire contrôler et surveiller son poids. Ce n'est pas la seule porte d'entrée, et ça, c'est vraiment important, parce que jusqu'à maintenant, ça évolue quand même un petit peu, mais c'est quand même une des principales raisons pour laquelle nous, on vient nous solliciter pour cet aspect composition corporelle. Alors, comment vous intervenez, j'imagine, en lien avec le préparateur physique, l'entraîneur? C'est très variable, selon la situation. Il y en a certains qui préfèrent justement que le lien soit juste avec le sportif. Certains, quand on est dans un collectif, l'entraîneur peut vouloir être au courant. Après, on est quand même dans un contexte un peu médical, hein, paramédical. Donc, c'est important que, en tout cas, quoi qu'il se passe, que le sportif soit en confiance et qu'il soit d'accord avec les échanges qu'on puisse avoir avec d'autres membres du staff. Est-ce que globalement vous nous diriez que l'alimentation des sportifs est synonyme de contrainte? Est-ce qu'on va devoir tout contrôler, tout peser? J'imagine que les aliments transformés, c'est plutôt non. On va davantage se porter vers des produits bruts, peut-être plus de cuisine. Le sportif est avant tout une personne, hein, une humain, donc il doit manger, il doit être en bonne santé. Donc il doit suivre les recommandations qui permettent d'être en bonne santé. Donc effectivement, plus recommander des aliments bruts, non transformés. Mais là, c'est une vraie question. Est-ce que ça représente une contrainte? Parce que on y est confronté très souvent dans les restaurations collectives, dans les établissements qui abritent des sportifs. À savoir, est-ce qu'on doit séparer le self pour sportif et le self pour les agents ou les autres personnels? Ce qui montrerait que déjà, il y a un régime très particulier. Voilà, c'est une question qui est récurrente, moi, dans les différents établissements avec lesquels j'ai travaillé, et qui sous-entend que le personnel, on ne va quand même pas leur faire subir. Hein, ce qu'on, ils ont le droit à se faire plaisir. Mais ça sous-entend effectivement que quand je mange qu'un sportif, c'est un peu une contrainte. Mmh. Et je ne me fais pas plaisir du tout. Or, le sportif, il doit manger sain et bon. Enfin, on n'a pas envie de lui infliger ça en plus. Je veux dire, sa vie est pleine de contraintes, c'est difficile, il y a du stress physiquement. Si en plus, quand il va au repas, c'est pas bon, ça devient vraiment difficile. Donc non, le sportif doit pouvoir manger. Il mange sainement, assurément, il mange sainement. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut manger sainement et se faire plaisir? Ce serait plutôt ça, la question. Je pense qu'effectivement, c'est possible. Quelle est sa principale source d'énergie? Il y a pas mal d'idées reçues. On a souvent parlé du plat de pâtes la veille d'un marathon. Alors ça, c'est plus pour les sportifs, on va dire, peut-être réguliers, mais en tout cas pas sportifs de haut niveau. Beaucoup de protéines. J'imagine qu'il y a quand même une part importante de fruits et de légumes. Finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'assiette d'un sportif et de haut niveau? Alors, il y a un système sur lequel on s'appuie, que moi j'aime bien parce qu'il a un moyen mnémotechnique qui permet de bien comprendre ces besoins qui sont vraiment divers. Hein. Quand vous dites quelle est la priorité, bon, il n'y a pas vraiment de priorité. Ou je dirais la priorité, c'est la diversité. C'est le système CAP sur la performance. Donc, CAP, c'est trois lettres, c'est AP. Ça serait pour construire le muscle, construire, réparer le muscle. Donc ça va être effectivement toutes les sources de protéines, volailles, poissons, œufs, potentiellement laitage, produits à base de soja aussi. Il y a des protéines végétales aussi. Donc cet aspect protéique, effectivement, les besoins en protéines du sportif sont pratiquement multipliés par deux par rapport aux besoins du sédentaire. Donc on va avoir besoin de protéines. Donc ça, c'est le C, construire, réparer les muscles, les aspects protéiques. Ensuite, on a le A pour approvisionner, la source d'énergie. Donc là, ça va être plutôt des glucides. Mmh. Mais là, c'est important vraiment de diversifier. On est trop sur les pâtes. Il y a des sportifs qui mangent des pâtes.
Il n'y a pas que les pâtes. Voilà, les pâtes, le riz, les pommes de terre. C'est très bon les pâtes, remarquez. En soi, mais bon, voilà. Moi, je milite vraiment pour la diversité. Les patates douces, les pommes de terre, le quinoa, la polenta. Enfin, il y a vraiment beaucoup de féculents différents. On va les préférer aussi non raffinés, parce qu'ils vont apporter plus de magnésium, de micronutriments, de fibres, etc. Et ensuite, dans le cap, il y a le P. Alors le P, de protéger, puisque l'exercice physique est un stress en soi. Et tous là, on va retrouver tous les végétaux, les fruits, les légumes, toutes les graines, les oléagineux. On en a amandes, plus dernièrement avec cette tendance à la végétalisation des assiettes. On en retrouve plus dans les assiettes. Oui. On aimerait, effectivement. Après, il y a certains sportifs qui, effectivement, essayent de plus végétaliser, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a eu certains documentaires qui ont... On voit, c'est à certains sportifs, voilà, d'ailleurs, qu'on une hygiène de vie, une routine alimentaire. Enfin, ça relève du sacerdoce. Alors, justement, pour terminer sur le cap, le P, j'ai rajouté aussi le... Donc, il y a le protéger et il y a aussi le plaisir. Parce que eh ça, oui, c'est un paramètre fondamental. Parce qu'on ne peut pas... Le sportif a une vie vraiment pleine de contraintes. Est-ce qu'il y a un risque, je ne sais pas, psychologique, d'avoir davantage de pression et de... J'imagine que la recherche de la performance et l'entraînement, enfin, c'est dur. C'est dur mentalement. Et si, en plus, on s'impose un régime strict, ça devient encore plus compliqué. Bah, effectivement, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il faut être dans la mesure, dans la flexibilité. La recherche de la perfection... Et souvent, pas le modèle qui est le plus efficace. En fait, il vaut mieux être dans la flexibilité. Il faut faire les choses correctement, mais dans la constance. En fait. Avant de nous quitter très rapidement, Fiollier, il y a ce marché de la nutrition sportive qui explose, qui a explosé d'ailleurs après le premier confinement. Peut-être beaucoup se sont mis au sport. Des marques, même l'agroalimentaire, qui jouent davantage sur le côté bien-être. Quel regard vous portez justement sur ce marché de la nutrition sportive? Est-ce que les compléments alimentaires peuvent aider? Et est-ce que nous, en tant que sportifs très amateurs, on peut aussi en consommer? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un complément alimentaire? Est-ce que prendre une boisson glucidique, ça fait partie des compléments alimentaires? Donc, moi, j'appelle ça plutôt les produits de nutrition sportive. Après, il y a certains compléments aussi qui peuvent... sur lesquels... Enfin, qu'on fait l'objet d'un consensus. Nous, je pense qu'il ne faut, pas les éliminer complètement. Il faut accompagner les personnes qui souhaitent en prendre de manière raisonnable, les sélectionner, ceux qui sont... Alors, première chose, sécurité. D'abord, parce qu'ils sont safe. Voir la provenance et les intégrer dans une alimentation, j'imagine, équilibrée. Voilà, exactement. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pas interdit non plus. Il faut que, se faire bien accompagner. Merci beaucoup, Fiollier. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une excellente journée sur Bsmart.